On a senti première période, c'est un peu du hockey, mais on sent que vos gars ils ont confiance et ils disent ben ma foi on résiste, ça se passe pas trop mal. Deuxième période, patatras, les rapaces ont pris les choses en main et là c'est ils ont déroulé et puis c'est finalement assez logique j'imagine pour vous, non? Ouais, bien sûr, de toute façon nous ça fait 2 semaines qu'on s'entraîne, je pense que les gamins sont presque à 4 semaines avec 3 matchs amicaux. C'est le deuxième match amical. Donc, le but de ces matchs amicaux, c'est justement se jauger sur toute notre partie sans palais. Bien sûr. J'ai vu des bonnes choses ce soir, effectivement. Vous dites que le deuxième tiers, ça nous a été fatal. Ouais. On a eu des occasions pour revenir au début, on les a pas mises au fond, et contre une équipe comme Gap qui est pleine bourre, ça pardonne pas. Mais par contre, je suis satisfait du troisième tiers, on a repris des choses simples, on aura travaillé dans le bon sens, les palais allaient plus au fond, on a réussi à avoir des chances de marquer sur la fin, et je suis satisfait dans l'ensemble malgré le résultat. Voilà, face à une belle équipe, oui, Gap, c'est top 5, Magnus peut-être. Mais le but, c'est vraiment de progresser, de pouvoir se frotter à meilleur que nous pour être sur le championnat d'air. Je pense que là, on enchaîne Gap, après on va à la profonde. On n'a que des belles équipes, donc c'est l'organisation de la pré-saison, elle est faite dans ce sens-là. Pour ne pas se faciliter les choses, pour être prêt pour le championnat. Donc ce soir, on était vraiment face à une belle équipe de Gap. Mais encore une fois, j'ai vu des bonnes choses. Notre deuxième tiers n'est pas bon. Face à une équipe de Magnus qui aime jouer. C'est les rapaces qui vont rendre pas bon. Oui, au deuxième tiers, ils ont augmenté la vitesse et nous on l'a pas fait. Voilà, on n'a pas su suivre, ils ont augmenté le tempo. Physiquement on a pêché aussi. Mais voilà, nous c'est le début de notre camp. On a beaucoup de choses à roder évidemment, mais je suis quand même satisfait du contenu général dans le match. Effectivement, il y a des moments où on est passé à côté. Et on a payé cash. Ouais. Je pense qu'on a fait un match. Après, on peut faire toujours mieux. On va essayer de progresser sur le match suivant. On va à la Chaux-de-Fonds. Donc, ça risque d'être un niveau encore supplémentaire parce qu'on est à l'extérieur. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est se frotter à meilleur que nous. Bien sûr. On est encore jeune, on est un club jeune et se frotter à des équipes comme ça, c'est ça qui fait progresser. Vous dites que c'est mieux que d'aller jouer des clubs des 3 ou des 2. On progresse comme ça. Ouais. Très bien, merci. Dans les points positifs, on a vu que sur certaines petites erreurs de Gap, vous aviez une explosivité tout de suite, prise du palais, directement un tir sur la cage de Sébastien Ilonen. Ça fait partie de vos points forts, cette explosivité? C'est ce que j'ai essayé quand j'ai créé mon équipe cet été, c'est un peu l'état d'esprit que j'avais. Je trouve que
philosophie de jeu, c'est d'essayer d'aller vite vers l'avant, avoir de la vitesse en contre-attaque, aussi avoir la possibilité de travailler fort en zone offensive, de garder le palais. Voilà, on était face à une équipe qui était supérieure à nous, mais j'ai vu vraiment des bonnes choses avec nos premières lignes, avec Michael, Brian et Ben, qui se sont créés beaucoup d'occasions. Malgré le niveau de jeu qui était supérieur en face, ils se sont créés pas mal d'occasions. Bon, après, sur les powerplays et même sur les penalty killing, on a encore beaucoup de choses à peaufiner parce qu'on n'est pas prêt sur ces plans-là. C'est normal. Voilà, je ne suis pas surpris du fait qu'on ne soit pas prêt ce soir. Quoi. Il y a quelques buts encaissés, mais Virtanen, finalement, il fait beaucoup d'arrêts dans la soirée, malgré tout. Donc, c'est aussi une mise en confiance. Il a été solide. Il a pris, je crois, le troisième but, un peu bizarre, parce qu'il n'y a pas grand monde devant lui. Mais après, il a pris tellement de shoots, il a été solide, il a sorti les gros arrêts. Il nous a gardé dans le match un petit temps, jusqu'à ce qu'on prenne ce 2-3-0 qui nous a un petit peu sorti le match. Mais ça aurait pu tourner dans l'autre sens. On aurait pu lâcher, et puis ça aurait pu faire un 8-9-0, ça n'a pas été le cas. On est quand même resté concentré dans notre façon de jouer. Et puis, non, je ne suis pas mécontent du match. Franchement, j'ai vu des bonnes choses et je pense qu'on va pouvoir travailler là-dessus. Un peu le même scénario que dimanche, là. Voilà. Et vous semblez apprécier particulièrement le deuxième tiers-temps. C'est ça. Non, je pense que voilà, il y a une belle équipe en face là, ils ont une belle équipe pour de la D1, il y a de très bons éléments dans cette équipe. Voilà, je pense qu'il faut vite maintenant pour qu'on arrive à voilà, jouer des équipes de notre calibre. On l'a vu contre Grenoble et on l'a vu à Chaudfront, ce que l'équipe est capable de faire. C'est vraiment là-dessus maintenant qu'il faut diriger. Il y a des bonnes choses et puis il y a des choses à ajuster. Je ne dirais pas que c'est mauvais, des mauvaises choses. C'est de l'ajustement, d'accord. Donc on doit ajuster les choses offensivement, on doit ajuster les choses défensivement. Mais voilà, on est en 40 et puis on a encore un petit peu de temps. Ce qui est positif, c'est qu'on voit qu'on a fait la numérique, on est bien. Et on a travaillé, on travaille très fort. Les gars, ils sont venus deux fois cette semaine, le jeudi là. Ils ont eu matin et soir. Donc on fait un gros travail là-dessus. D'accord. On vraiment être, on sait qu'on a un bon gardien, mais devant lui, là, ça bosse très fort à 3 et à 4. Et on veut être bon sur cet aspect-là, et on veut être très bon aussi en powerplay, parce qu'on a les joueurs pour ça. Donc après, c'est juste des ajustements, et à 5 contre 5, je ne suis pas inquiet, parce qu'on a vraiment de bons joueurs, là. Il ne faut pas oublier qu'il manque encore Gertin et puis il y a Paul Schmitt, Paul Joubert qui n'est pas là non plus. Moi, je trouve qu'on aura une équipe. On n'aura pas les équipes des années antérieures, mais en tout cas, on aura une équipe qui va vraiment, ouais, qui va être là, qui va répondre présent. Ça bosse très fort aux entraînements et c'est très, très cohérent ce que l'on fait, même si là, sur les deux matchs qu'on vient de faire, ça manque un peu de rigueur. Mais on aura, voilà, c'est humain. C'est la préparation. Vous, vous l'interprétez comme ça. Le manque de rigueur, mentalement, c'est les joueurs, ils savent qu'ils ne sont pas sur une partie qui est déterminante. Non, mais nous, les entraîneurs, on veut toujours valider des choses qu'on a faites pendant la semaine. On voudrait voir des choses qu'on a bien faites. On veut s'appuyer là-dessus. Voilà, parce que ça, c'est notre base, c'est notre fondation pour pouvoir construire. Et on voit que sur nos fondations, on est encore assez régulier. Je pense que tout ça va rentrer dans l'ordre très rapidement. Voilà.